Il se définit comme un Parisien d'origine argentine, italienne et bretonne, mais il a choisi Toronto, la ville où habite son père. Yannick Bihan est un jeune artiste de 22 ans. Après avoir cherché sa niche dans plusieurs domaines artistiques, il s'est outillé d'un aérographe et s'est mis au travail. Et comme on va le voir dans le prochain reportage, le résultat est assez impressionnant. J'ai appris le dessin, j'ai appris à peindre avec l'acrylique, l'huile. Donc l'aérographe, ça a été mon terminal. Ça a été la dernière phase qui mène à présent. Et je me suis mis à l'aérographe après l'aérosol, et puis toute la gouache, l'acrylique, la peinture à eau, le dessin. Donc ça m'a permis d'affiner tous les détails. Approfondir toutes les matières que j'avais et aussi avoir cette texture de l'aérosol mais dans quelque chose que je pourrais contrôler du bout des doigts et qui serait agréable à faire. Donc voilà, c'est un magasin qui s'appelait Drool et je devais arriver avec un concept qui irait avec le quartier. Et puis je me suis dit, en général, il n'y a pas énormément de personnes qui ont ce genre de face quotidiennement. I think Yannick is beyond his years. I always explain to him that he has such a young body, but inside he's very much an old soul. So he's a little bit ahead of his time. He sees things that the young artists don't see. So he's very evolved quickly and adapts to a certain kind of art that he portrays. Et voilà, donc ça, c'est un de mes produits. Je crée donc des casquettes, des t-shirts, et ils sont tous des pièces uniques, à part pour tout ce qui est fait en sérigraphie. Donc en sérigraphie, ça va être imprimé directement dessus. Et donc j'ai travaillé et faufilé le pinceau pour transférer toute la peinture d'une façon que ce soit intégré avec toute cette coordonnance. Donc voilà, je l'ai appelé Vénus. He's growing every day. He's doing different things, and I don't want like the same things over and over. I like a little bit of variety and something that's a little bit unique. C'est du fond du cœur. Il arrive à reproduire un petit peu tout ce qu'il veut, mais c'est quand même génial. On a besoin toujours de. De voir quelque chose d'un peu plus coloré et je pense que c'est ce qui manque énormément dans beaucoup de villes et c'est vraiment ce que j'ai toujours cherché à apporter aux gens. C'est un moyen de prendre quelque chose de sobre et le rendre flamboyant. Ce qui m'inspire, c'est la réaction des gens et le nombre de réactions que j'ai eues avec ce mur-là a changé mon esprit sur l'art. Parce que pendant que j'étais en train de le faire, les gens se sont exprimés cordialement des fois et de façon assez impressionnante d'autres fois. Et donc maintenant je travaille sur du métal. C'est beaucoup plus avancé et puis ça me permet aussi d'avoir la sûreté que mon projet va rester sur pied pendant très longtemps. Et j'aime bien la permanence, mais j'ai vécu aussi avec des œuvres d'art qui disparaîtraient très rapidement. Donc les dessins, en général, on perd le papier, il finit frissonné ou il commence à devenir teint. Il est clair que maintenant, à 22 ans, il commence à trouver son chemin. Il est toujours en exploration. Je pense qu'un artiste est en exploration pendant éternellement. Mais il a beaucoup de talent, beaucoup, beaucoup de talent. Yeah, that is sexy. Wow. That's sexy.